c'est les amis riders, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième tuto. Donc le deuxième tuto consistera à comment éviter de casser ses cocottes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces cocottes, donc les cocottes c'est ici et ici. Ce qui maintient votre... là c'est mon maître cylindre. Ce qui maintient mon maître cylindre et ce qui maintient ma famille en finale. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin de Teflon, une clé à piquer, une clé plat de 8, tout dépend votre. En général, c'est tout le temps 8 et cocotte et. Et un cutter ou un ciseau pour couper votre tuto. Voilà. On va s'y mettre tout de suite. On va commencer par démonter notre cocotte. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est une cocotte. Donc la cocotte, comme je vous disais, c'est ça. Voilà, c'est cette pièce là. Donc on la met de côté. Et là, vous voyez, dans votre vidéo, vous avez les marques où se situe votre poignée du frein. Vous la mettez là. Donc vous allez déposer votre petit arme là. Prendre votre téton. Et vous allez vous couper en bon bout. Hein, ça, une bonne longueur. Voilà, une fois ça fait, vous allez retracer votre petit là. Après, vous allez régler selon. Pensez à bien régler selon votre prise de main. Bah, selon votre hauteur, vous êtes plus agréable après. Et voilà, ce petit tuto est fini. On fait bien le faire à votre cocotte d'oreillage. Moi, c'est déjà fait. Sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo et à la prochaine.